Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Moira Saul, connectée depuis la France et plus précisément de Fréjus. Moira va nous présenter le pouvoir du coaching spirituel en entreprise. Bonsoir Moira. Bonsoir Yotis et puis bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être là. Alors Moira, comment vas-tu? Comment te sens-tu ce soir? Je me sens super bien. Je suis un petit peu embêtée parce que j'ai une petite extinction de voix. Alors, mes excuses si vous l'entendez un petit peu. Mais sinon, je vais super bien. Merci. On t'entend très bien, nous, en tout cas. Alors, Moira, j'aimerais que tu éclaircisses une petite zone d'ombre là, d'emblée, pour ce webinaire. Comment décrirais-tu ces moments magiques de préparation? Lors de cette préparation de webinaire, ben, nous avons été confrontés à plusieurs défis. Et ben, avec toi, tout se règle. Et on est censé chercher des solutions. Ben, les solutions viennent à nous. Donc, j'ai pas eu le temps de trouver des solutions. Elles sont arrivées là, comme ça. Ce sont des solutions qui sont arrivées. Comment pourrais-tu décrire ce phénomène? Je crois que quand on est bien connecté, tu vois, alors on a tout de suite tout qui se met en place pour que les choses se passent au mieux. C'est juste notre ego qui a peur. Je peux vous dire que c'était quand même surprenant. Je l'ai vécu, c'est la deuxième fois que je le vis avec toi. C'est quand même assez percutant. Alors, Moira Saul, coach MCC, mentor, facilitatrice d'équipe et formatrice de coach professionnel chez Ericsson International depuis 10 ans. Moira, tu es également maître praticienne sous le coaching et formatrice pour praticiens sous le coaching, certifiée par Denise Lin et par le Soul Coaching International Institute depuis 2016. Tu formes, interviens et voyages en tant que coach à l'international en France, Canada, Espagne, Royaume-Uni, République tchèque, Thaïlande, Brésil, Chine, Inde, Lettonie, Lituanie, Hong Kong, Arabie Saoudite, Suisse, Serbie, avec un master de recherche en philosophie comparée entre le bouddhisme indien et l'idéalisme allemand. C'est en tant qu'expatrié que tu débutes ta carrière dans le domaine de l'enseignement en philosophie et en tant que conseillère d'orientation au lycée français de Londres, ainsi que dans un baccalauréat international à Beijing. Ensuite, tu deviens coach et tu travailles à la croissance du leadership par le développement spirituel. Cette croissance se fait au cours de séances ainsi que dans le travail global d'implantation du coaching au sein des entreprises qui souhaitent se donner les meilleurs moyens d'allier très haute performance avec un sens éthique profond. Que ce soit en individuel avec des PDG, cadres supérieurs et des professionnels du développement personnel, coach, thérapeute, sophrologue, etc. Ou bien pour le travail d'implantation dans la culture coaching dans une entreprise, tes interlocuteurs sont des décideurs. Ensemble, vous réfléchissez aux divers supports coaching qu'ils peuvent implanter dans leur objectif d'évolution managériale et communicationnelle. Ton engagement et ce que tu aimes faire par-dessus tout est de développer les gens et leur organisation afin de leur permettre de se déployer de la meilleure manière pour eux et pour les personnes dans leur univers. Ton travail consiste à permettre la libération de leur leadership interne par une connexion profonde à leur système de valeurs dans lequel même réside leur sagesse intérieure. Et c'est cela même que tu appelles la spiritualité. Tu crois vraiment que nous décidons du monde à travers lequel nous évoluons? Je te cite, plus nous nous connectons à notre sagesse intérieure, plus nous agissons en conséquence, aidant ainsi l'univers à nous donner exactement ce qui est juste et vrai pour le développement de notre âme. Alors Moira, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour qu'on en puisse en savoir davantage sur toi? Alors on va, parce qu'on a vu toute la partie pro. Mais je vais parler des deux êtres que j'adore, ma petite chienne, et que j'ai recueillie il y a 6 ans et demi maintenant. Elle a 8 ans. Et puis, tout récemment, ma petite fille aussi, que j'ai adoptée et qui vient de Tahiti. Et donc, nous sommes revenues toutes les deux de Tahiti en décembre 2021. Voilà. Eh bien.
Félicitations, Moïra. Moïra, tu vas nous présenter le pouvoir du coaching spirituel en entreprise. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Je pense que vraiment l'aspect spirituel du coaching est l'un des avenirs du coaching. À un moment, pour aller plus loin, on doit aller par là. Et l'entreprise est en train de changer terriblement, encore plus avec ce qui s'est passé avec le Covid. Et c'est vraiment quelque chose qui est attirant pour l'entreprise depuis des années, mais qui commence à être accepté comme important à faire rentrer dans l'entreprise. Voilà, c'est un beau binôme les deux, ensemble. Merci Moïra, je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci beaucoup. Il n'y a rien de plus fort que la gratitude. Alors juste, je voulais prendre un instant pour vous remercier à tous. Je sais qu'il y a des gens que je connais et puis il y a des gens que je ne connais pas. Alors, ce simple geste, on peut l'enlever complètement de tout ce qui est religieux. On m'a dit une fois en Inde que ça signifiait « Mon âme rencontre ton âme ». Alors, merci beaucoup d'être là et d'accepter que nos âmes se rencontrent ce soir. Et alors, avant de commencer, il y a quelque chose de très fort quand on crée un univers sacré. Alors, simplement, je souhaite de tout mon cœur que, pendant ce temps que nous avons ensemble, vous trouviez les réponses à vos questions, que ça vous apporte peut-être des idées que vous n'aviez pas auparavant et que tout simplement, ensemble, rien que par le fait qu'on se connecte, on amène à une élévation de conscience et de pratique du coaching. Et alors, la première question va venir, et je ne sais pas si Yotis, je la pose avant et tu lances le sondage, pardon, ou si c'est toi qui poses en lançant le sondage. C'est comme tu préfères. Alors, je vais la lire vite fait. Qu'est-ce que le coaching spirituel pour vous? Il y a eu tellement de réactions, et merci beaucoup encore de ça, dans le YouTube, l'exercice de pré-webinaire. Et alors, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on peut mettre plein de choses dans le coaching spirituel. Alors, est-ce que c'est une pratique qui met en avant le coach au détriment du client? Est-ce que c'est une pratique qui met en avant le client et que le coach doit honorer? Est-ce que c'est un art de vivre? Est-ce que c'est un choix de pratique de coaching parmi d'autres? Selon vous, je laisse Yotis maintenant lancer le sondage. Et voilà, donc c'est parti pour le premier sondage de la soirée. Qu'est-ce que le coaching spirituel pour vous? Donc, vous avez plusieurs possibilités, Moïra vient de les dire. Et ben, vous allez très vite ce soir, vous êtes en pleine forme, vous avez certainement déjà réfléchi en tout cas à la question. On dépasse déjà les 60%. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Et il y en a une qui dépasse largement les autres. Il y en a une qui n'a pas du tout de succès. Et nous allons voir les résultats dans quelques secondes. J'arrête le sondage ici à 80%. Et voici les résultats. Avec 48% un art de vivre, 32% un choix de pratique du coaching parmi d'autres, 17% une pratique qui met en avant le client et que le coaché doit honorer, et 3% autre, 0% une pratique qui met en avant le coach au détriment du client. Voilà, Moïra, c'est à toi. Ok, bon, merci pour ce sondage et pour vos réponses. Alors, on va voir que, bien évidemment, la première, on fait toujours passer notre client avant. Mais comment les trois s'organisent ensuite? Alors, du coup aussi, j'ai cherché sur le Larousse les définitions du coaching
Alors, une alliance entre, ça c'est ICF, une alliance entre le coach et ses clients dans un processus qui suscite chez eux réflexion et créativité afin de maximiser leur potentiel personnel et professionnel. Donc ça, définition du coaching au point de vue de ICF. Alors, spirituel, qu'est-ce que c'est ? Là, ça, c'est dans le Larousse que j'ai trouvé ça, qui est de nature de l'esprit, considéré comme une réalité distincte de la matière, qui a de l'esprit, de la finesse dans sa manière de manier les idées. Alors, bien sûr, il s'agit de voir par rapport aux 8 compétences ICF, comment on incarne l'esprit du coaching. Il s'agit vraiment de respecter l'univers mental, émotionnel, spirituel et physique de notre client. Et grâce à l'espace spirituel, d'ouvrir un espace qui change de paradigme, qui va changer la manière de réfléchir habituelle de nos clients. Et c'est aussi une discussion holistique, c'est-à-dire qu'on va au-delà du sujet qui est amené par notre client. On lui donne une dimension bien plus grande, dans son univers, dans sa conception de lui-même et de sa vie. Alors, l'entreprise. Bon, vous connaissez, que vous travaillez dans ou que vous travaillez avec des personnes en entreprise. Le multitasking. Je me suis un peu amusée avec Shiva, vous avez remarqué. Le multitasking. On a plein de choses à faire en même temps. On est à bout de course. Et c'est une manière de vivre sa réalité. C'est, en fait, si on se laisse aller, la manière qui va nous prendre le plus de temps dans notre réalité, d'être comme ça, de courir après les minutes, de faire 15 choses à la fois, d'avoir un espace mental complètement surchargé. Si on va dans le côté spirituel et qu'on commence à sortir de la réalité tangible, des to-do list, de toutes ces choses à faire, de courir de réunion en réunion, et qu'on prend le temps pour regarder de manière plus large ce qui est en train de se jouer et de se réaligner, alors les bras qui s'agitent dans tous les sens commencent à s'ordonner. Le regard commence à rentrer à l'intérieur plutôt que d'aller vers l'extérieur. Et là, on commence tout un processus de travail interne profond qui génère énormément d'énergie, qui permet vraiment d'atteindre un niveau de conscience complètement autre. Et ce sont ces trois aspects que nous allons voir maintenant. Revenons sur notre manager ou notre personne d'entreprise. Ce n'est pas que des managers, toutes les personnes d'entreprise. Qui n'arrêtent pas ? Eh bien, ces personnes-là, elles vont travailler majoritairement. Et je m'inspire beaucoup de l'échelle des émotions de Stephen Hawking, pour ceux qui connaissent. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, comme vous le savez, ce sont des émotions et des vibrations que l'on traverse. Et en fait, ces émotions-là sont drivées par l'ego. Alors, dans la réalité de tous les jours, on a tendance à aller vers notre ego. Ce qui est normal, c'est ce qui nous protège. Alors, la plus basse vibration, c'est la honte. Et Hawkins l'a calibré, et vous avez vu, il a mis des chiffres, donc il l'a calibré à 20. Et en fait, ce qui se joue derrière cette vibration, c'est la haine de soi. C'est le sentiment d'inexistence. Et en fait, la conception de la vie, c'est que la vie est misérable. Et puis, quand on monte un peu en vibration, on a la culpabilité. À 30. Et le sentiment qu'on a, c'est qu'on blâme. On veut blâmer les autres. Ou se blâmer.
Donc, c'est la destruction. Et on pense que la vie est malveillante avec nous. L'apathie. 50. On est dans le désespoir, l'impuissance. Alors, c'est là où on renonce. On pense que la vie est sans espoir. L'amertume, le chagrin. 75. Alors, on est vraiment dans le regret, la tristesse. Il y a ce sentiment d'abattement, on n'a plus de force. Et la vie est vraiment tragique. La peur, 100. On vit à travers l'anxiété et l'angoisse. Et du coup, on met beaucoup de choses à l'écart. On fuit beaucoup de choses parce que la vie est effrayante. Puis vient le désir, à 125. Alors là, on est dans l'envie frugale ou la jalousie. Ça alimente l'addiction. Et en fait, on se dit que la vie est décevante. Et ensuite vient la colère, à 150. Ça alimente la haine. Et là, c'est le sentiment de vengeance. On pense que la vie est hostile avec nous. Alors, on cherche à se battre tout le temps. Et enfin vient l'orgueil, 175. Et là, on est vraiment dans les sentiments de fierté, de dignité, de vanité et même de mépris des autres. C'est ce sentiment de toute puissance. Et on pense que la vie est insatiable. Alors, bien sûr, on a tous traversé ces différentes émotions à différents moments de notre vie. Et il est possible que des entreprises qui nous contactent ou des personnes d'entreprise avec qui vous avez un coaching, en fait, commencent leur coaching à travers une de ces émotions-là. Et bien sûr, le coaching ne peut pas aller très très loin quand on reste à ce niveau-là. Imaginez par exemple une entreprise qui vous contacte parce qu'elle a peur de la concurrence. Et donc, du coup, ils veulent absolument être meilleurs. Alors, on peut faire un coaching, mais ce sera un coaching de performance qui, finalement, ne va pas porter ses fruits dans le long terme. Ça va réduire la peur pendant un certain temps, ça va les faire monter un petit peu, mais on va rester quand même dans ces vibrations qui sont dans l'ego. Alors, quelle est la première porte de sortie à ça? C'est en fait l'humilité. C'est un choix de se rendre responsable de sa vie. Et c'est un vrai choix. De se dire, c'est bon, j'en sors. Et je vais être vulnérable. Ça ne va pas être facile, mais j'en sors. Et c'est quand on fait ça qu'on atteint ce Shiva-là, bien plus serein, qui commence à se recentrer dans son intériorité. Et en fait, la bascule, elle est là. Elle est avec le courage. Vous avez vu 200, hein, le courage. Le courage, on commence à s'affirmer. On commence à affirmer une direction et on devient déterminé pour l'atteindre. Alors, de quelqu'un qui pense à peut-être faire un coaching pour changer quelque chose parce qu'il y a de l'insatisfaction, à cette bascule du courage, en se disant « c'est pas grave si je suis vulnérable, mais je vais y aller », alors là, on a vraiment quelqu'un qui est prêt pour un vrai coaching. Et la vie devient soudainement viable. Alors, c'est pas les seules, vous avez vu, les seules émotions. Ensuite, eh bien, on monte en intensité. Et puis, donc, Stephen Hawking parle de la neutralité à 250. Donc là, on commence à être en confiance, on lâche prise et on commence à se satisfaire de la vie. Puis la volonté, 310, on devient optimiste. Vous avez peut-être remarqué avec vos clients comment ces émotions positives commencent à monter au fur et à mesure du coaching. Et là, quand il y a cet optimisme qui vient, bah bien sûr, c'est parce qu'il y a des résultats aussi. Et là, l'engagement réellement arrive. Et la vie devient pleine d'espoir, on redevient créatif. On n'est plus du tout dans l'ego, on est vraiment dans l'esprit à ce moment-là.
vient alors l'acceptation. Et l'acceptation, eh bien, c'est vraiment bah, pardonner ce qui a été, ce qui n'a pas plu, ce qui a pu freiner, et élargir ses perspectives. La vie devient harmonieuse. Ce n'est pas pour rien qu'il m'arrive telle ou telle chose. Qu'est-ce que je peux en apprendre? On arrive dans quelque chose qui devient vertueux. Entre les expériences qu'on vit et le sens qu'on leur donne. Puis vient la raison. 400. C'est la compréhension des choses. Et là, on potentialise. La vie devient sensée. Et on fait ressortir ce sens-là. Alors ça qui est génial, c'est que en fait, plus on monte dans ce qu'il a calibré avec les nombres, plus on contrebalance les nombres en dessous. Donc, par exemple, deux personnes dans la raison vont une personne dans la raison va contrebalancer deux personnes qui sont dans le courage. Alors vous imaginez combien de personnes ça contrebalance dans la haine, qui est tout en bas à 20. Ok. Et ça ne s'arrête pas là. On est dans la raison, mais à un moment, l'esprit, lui, sent qu'il y a quelque chose de plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut appréhender. C'est quelque chose qui est assez nouveau d'ailleurs dans notre conscience humaine. Mais il y a cette sensation, il y a quelque chose de supplémentaire qui est là, qui est presque palpable sans être tangible. Et pour sortir de l'esprit, pour rentrer dans le niveau suivant, eh bien, il y a la confiance. Tout à l'heure, Yotis demandait, mais comment ça se fait que ça se passe? Voilà, je vous assure qu'on a eu beaucoup de challenges pour l'organisation de ce webinaire. Et beaucoup de fois, je lui disais, mais ça va aller. T'inquiète pas, on va trouver, ça va aller. La confiance. Alors, c'est comme si tout se mettait en place ensuite. Le puzzle se met en place sans que plus d'efforts ne soient faits. Alors, c'est vraiment la confiance en l'inconnu et en une puissance supérieure. Alors, je ne parle pas de divinité, bien sûr. Je parle simplement en une force, une énergie supérieure qui nous traverse. Mettez-y ensuite le nom que vous voulez. Pas besoin d'y mettre de la religion, bien évidemment. Et c'est ça, c'est cette partie-là qui fait qu'à un moment, on se sent complètement traversé par cette énergie forte. Et quand on arrive à mixer le travail de la raison avec le travail de l'univers qui conspire à nous donner tout ce dont on a besoin, on est invincible. Imaginez donner ça à une entreprise. Magnifique. Ça crée des entreprises qui ont un souci éthique très fort parce qu'ils se connectent à une sagesse qui est au-delà de la simple performance. Vous avez vu comme elle nous paraît loin maintenant, hein, la performance. Non pas qu'on l'a oubliée, simplement que c'est une conséquence de quelque chose de bien plus large et bien plus fort. Et on y est. La bascule, alors, pour aller vers l'esprit, la bascule, c'était le courage. Eh bien là, c'est l'amour inconditionnel, 500. Et l'émotion, c'est l'émerveillement. On est dans la pureté et on est vraiment dans la considération que la vie est bénéfique, quoi qu'il arrive. Et vient tout de suite la joie, 540. On est vraiment dans un état de sérénité. La joie, c'est une énergie guérisseuse. Alors, on est vraiment dans un processus de guérison. La vie est complète. Elle nous donne absolument tout ce dont nous avons besoin. Et alors ensuite, la liberté et la paix. 600, c'est le bonheur, la béatitude. Avec ce réel sens de contribution, très important pour les entreprises,
Et la vie alors est parfaite, telle qu'elle est. Et alors ensuite, l'illumination, on est à plus de 700. C'est la pure conscience de ce qui est. Pardon, j'ai fait une... C'est conscience, hein, CS. Petit résidu de philo. Et la vie est tout simplement. On la laisse se dérouler comme un observateur sacré. Alors voilà, les trois phases finalement qu'on peut voir dans le développement grâce à un coaching spirituel en entreprise. On passe du multitâche à un recentrement intérieur par l'esprit profond, à l'acceptation de quelque chose qui nous dépasse et de le laisser émerger à travers nous. Alors, autre question. Et là, on va revenir sur l'entreprise et ce pourquoi elle vous demande du coaching. Alors, Yotis, je vais te laisser lancer le sondage. Et voilà pour le deuxième sondage, c'est lancé. Donc, pour quelles raisons vous demande-t-on majoritairement du coaching en entreprise? Première possibilité, prise de recul, confiance en soi. Deuxième possibilité, bien-être au travail, améliorer la communication, meilleure gestion du temps et organisation, vision stratégique et développement. Et ben, celle-ci vous demande quand même un peu plus de réflexion. Donc, on vous laisse encore quelques secondes. D'un coup, là, ça monte. Voilà. Donc, je pense que pour une grande majorité, c'est fait. Et voici les résultats. Avec 27% prise de recul, confiance en soi, 26% améliorer la communication, 25% vision stratégique et développement, 12% meilleure gestion du temps et organisation et 10% bien-être au travail. Merci Yotis. Alors je vous invite tout au long de ce qui va suivre de le ramener à des sujets pour les coachs que vous avez déjà eu dans des coachings de demande sur une de ces thématiques, pourquoi pas. Et pour les personnes qui ne sont pas coachs, bah des sujets qui sont pour vous des sujets sur lesquels vous aimeriez travailler en coaching et où vous vous dites, tiens, comment le coaching spirituel pourrait m'aider? Comme ça, on va avoir même une expérience tous ensemble. Alors, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et nos clients d'entreprise, ils arrivent et nous contactent avec leur tableau de référence, leur manière de penser. Ce qui fait que quand ils attendent un coaching, eux, la plupart du temps, ils se disent eh « ben, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc, on veut plein de post-it parce qu'on veut être créatif. Donc, on met des post-it partout. Et comme ça, eh ben, on va créer plein de choses super. Et puis, on va faire des présentations de nos post-it. Ça va intéresser tout le monde et on aura plein d'idées. Et du coup, eh bien, on sera bien ensemble à travailler. Et il va y avoir une bonne communication entre nous. On sera fort ensemble. On va commencer à faire plein d'argent. On aura amélioré nos compétences. Et du coup, notre argent va en plus fructifier. Ah bah oui, effectivement. Ça marche. Oh, pardon, j'avais oublié celui-là. Et alors, c'est l'amour entre nous tous. Tout le monde s'entend très bien dans l'entreprise. Alors, bien sûr, ils nous contactent avec ces idées-là, qui sont très belles, mais qui arrivent comme le travail majoritaire pour eux, parce qu'ils se situent du côté du livrable, ce qui est complètement normal. Alors, tout notre travail va être de les aider dans la définition et le maintien de leur contrat, à leur faire prendre une vision plus large.
Alors, ICF définit cette compétence, définit et maintient les contrats de coaching comme le coach est partenaire du client et des parties prenantes pour définir les contrats clairs concernant la relation de coaching, le processus, les plans et les objectifs. Il conclut des contrats pour l'ensemble du processus de coaching ainsi que pour chaque séance de coaching. Très bien. Alors, très important, dès qu'on part dans un coaching spirituel, on a bien compris qu'on veut monter au-delà de toutes ces aspirations, puisque là, on est dans la partie du Shiva avec tout le multitask et tous les bras qui vont dans tous les sens. Donc, la définition des contrats doit se faire bien sûr de manière précise, mais aussi à grande échelle. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Au niveau individuel, niveau global, au niveau professionnel, au niveau personnel, et qu'est-ce que ça va changer en vous, dans le sens que vous créez pour votre vie, de manière plus large. Alors bien sûr, je fais très très court ici, mais c'est vraiment amener à cette conscience-là. C'est le tout début. On voit bien plus large que l'objectif de départ. Ça ne veut pas dire qu'on l'élude, ça veut simplement dire qu'on lui donne tous ses titres de noblesse. Et bien sûr, votre client est toujours en charge de son univers spirituel, qu'il va découvrir petit à petit. Alors, dans le maintien des contrats, c'est aussi lui permettre de le nommer de plus en plus. Le processus, on a vu, ça commence par le courage. Et le courage, eh bien, ça fait peur. Ça donne le vertige. Alors, bien sûr, c'est aussi très important pour nous, les coachs, de répondre à cette compétence, développe un espace de confiance et de sécurité. Sans confiance, il n'y a pas de coaching. C'est la première chose à mettre en place, c'est une relation authentique et de confiance avec nos clients. Parce que ça, ils vont le vivre. Et c'est un grand moment de vulnérabilité. Alors, c'est à nous de l'honorer et de maintenir un espace sacré pour qu'ils s'autorisent à le vivre et le dépasser. Et c'est à travers un travail de relaxation et ou de décontextualisation, où ils vont lâcher les processus habituels de la pensée, s'ouvrir à la nouveauté, élargir leur champ de pensée et aller dans un processus intérieur plutôt qu'extérieur. Et du coup, leur vision s'élargit petit à petit. Petit à petit, jusqu'à ce que l'environnement ne soit plus forcément ce qui compte en tout premier. Il sera juste une expression et une des conséquences de ce qui a été travaillé de manière plus profonde. C'est alors là que nos clients sont prêts à prendre leur envol vers leur univers spirituel. Et l'idée, c'est vraiment, à travers ça, de s'abandonner à ce qui nous parle réellement. Alors, c'est-à-dire laisser émerger l'univers spirituel, nous en avons tous un. Un univers spirituel, c'est tout ce qui nous fait rêver à l'intérieur et qu'on n'ose peut-être même plus exprimer, tout ce qui nous rend extrêmement créatifs. Tout ce qui nous fait vibrer, qui nous donne des yeux pétillants d'un regard d'enfant, parce que vraiment c'est tout notre corps qui vibre. C'est ça un univers spirituel individuel. Alors cet envol, il est là pour le laisser émerger. C'est aussi ouvrir le cœur
et se connecter à son âme peu à peu. Penser en termes de valeur et non plus en termes de performance. Et c'est à partir de là que de nouvelles idées vont se créer. Alors, pour revenir sur les 8 compétences ICF, parce que j'avais promis qu'on ferait le lien avec les 8 compétences, bien sûr, et c'est la clé pour tout coaching spirituel, c'est la présence du coach. Alors, quelle est la définition d'ICF? Le coach est pleinement conscient et présent avec le client, en utilisant un style ouvert, flexible, ancré et confiant. Bien sûr qu'il y a des outils. Bien sûr qu'il y a des techniques, qu'il y a de l'expérience. Mais vos clients viennent vous voir pour qui vous êtes, pour qui vous représentez pour eux. Parce que c'est ça qu'ils viennent puiser. Ce qu'ils voient en vous est bien sûr qui ils sont. Mais ils cherchent l'inspiration à travers vous. Vous maintenez aussi, par votre présence, les coachs, et vous le savez bien sûr, un espace sacré dans lequel vos clients expriment vraiment la pure beauté de leur être. Dès qu'ils sortent de leur ego, c'est le cœur qui parle. Alors, c'est très important, quand on est en présence, que votre sagesse intérieure parle à leur sagesse intérieure. On est vraiment du coup dans un réel partenariat et dans un respect profond de l'univers spirituel de votre client, qu'il vous soit familier ou pas du tout. Et bien sûr, la seule chose qui compte, c'est la magie qui se passe à cet instant pour votre client. La manière dont sa vie est en train de se transformer, la plus belle expression, et c'est absolument là, dans cette conscience-là, que l'on doit être. Et comme par magie, repensez à un des sujets bien sûr, hein, c'est l'univers spirituel de votre client qui s'ouvre, qu'on a envie de découvrir. Et plein d'histoires magnifiques. Peut-être même des solutions complètement inédites qui en sortent, qui surprennent même votre client. Et peut-être qu'au début, l'univers peut paraître un peu flou à votre client. Ça a l'air engageant, mais bon, on n'ose pas trop y aller. Et puis, petit à petit, ça peut devenir très simple, mais très beau à la fois. Et ça leur permet de se reconnecter à des sensations toutes simples, mais tellement fortes, présentes à l'intérieur d'eux-mêmes, de paix, de calme, à se reconnecter à eux. C'est là que l'horizon arrive. Et pendant ce temps-là, nous, coach, vous le savez très bien, nous sommes dans cette écoute active. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on est dans une écoute holistique, mentale, émotionnelle, spirituelle et physique de ce qui se passe pour notre client, mais aussi de ce qui se passe autour alors que la séance a lieu. C'est une écoute à partir du cœur. C'est toujours dans ces moments-là, je me permets de faire une petite digression, que arrivent des choses incroyables. Je vous donne un exemple. Très récemment, j'étais en train de coacher une cliente et elle me parle d'un goéland. On n'était pas du tout en bord de mer, hein. Et pendant la séance, est venu se poser sur le bâtiment d'en face, un goéland. Alors, c'est souvent à partir de ce moment-là
que tout s'aligne et que votre client vibre tellement que tout autour, les choses se mettent en place pour le rendre réel. Et puis, quelque chose de très important, et ça, bah bien sûr, tous les coachs PCC le savent absolument. Toute séance de coaching est l'opportunité pour une expansion identitaire. Alors, c'est vraiment laisser émerger à travers l'univers spirituel unique de votre client l'expansion identitaire qui se joue. Et vos clients vont vraiment vers eux-mêmes. Et peut-être qu'ils vont s'imaginer comme cet ange qui porte la lumière, ou une grande déesse qui manie l'énergie, ou un chevalier preux et fort, ou comme quelqu'un d'absolument protégé par la nature. C'est leur univers spirituel. Et c'est ce qui les rend absolument uniques et puissants. Encore comme cette prêtresse qui regarde son royaume. C'est à ce moment-là que l'esprit est prêt à sortir, enfin, que votre client, pardon, est prêt à sortir de l'esprit pour aller vers l'âme, vers son âme, vers son authenticité. C'est un moment crucial et ce n'est pas la fin du coaching. Le coaching spirituel, justement, amène à cette partie supérieure encore de vibration. Vous vous souvenez, la porte d'entrée, c'est la confiance en l'inconnu, en une puissance supérieure ou en quelque chose de, qui nous traverse, qui nous déborde. Et quand on trouve notre identité spirituelle, et forcément, on rentre là-dedans. Et on est vraiment dans de réelles prises de conscience. Alors, on parle de métaphores, mais pas que. Finalement, quand c'est vécu de manière si intense, on n'est plus dans de la métaphore, on est dans une réalité intérieure. C'est présent, c'est réel, c'est palpable. Et c'est là que les réelles prises de conscience se font à partir du cœur et de l'amour. Et du coup, d'un petit cœur tout noué, on arrive à un cœur qui commence à devenir léger et à s'illuminer. Et à s'extérioriser. Parce que on a le droit d'être qui on a envie d'être pour de vrai, sans jugement. C'est la joie. Comme ces enfants qui jouent là. Il n'y a rien qui arrête ces rires. Vous pouvez peut-être même entendre leur rire en les voyant. Et c'est une joie qui se transforme peu à peu en paix, en sérénité. En sérénité intérieure profonde. Jusqu'à vraiment se laisser absolument traverser par ce flot d'énergie sans même avoir besoin de retenir les idées. Juste apprécier ce qui est. Et toute cette expérience, lors d'une séance de coaching ou d'une intervention coaching, il est important de lui laisser son aspect sacré et donc de lui laisser avoir un terme
en sachant bien sûr que vos clients savent qu'ils peuvent y retourner à chaque instant s'ils le souhaitent. Mais pour l'heure, ils doivent revenir dans l'efficacité de la séance coaching ou de l'intervention coaching. Et c'est notre travail, faciliter la croissance du client. Alors, bien sûr, en coaching spirituel, on va aller sur quelque chose de l'ordre de rituel, de cérémonie, ou de tout ce qui va faciliter une reconnexion à cette vibration. Les techniques, comme il a été dit, sont présentes, mais c'est le client qui passe toujours en premier. Et puis, vérifier que le pont existe bien entre cet univers spirituel intérieur fort et la manière d'incorporer les enseignements dans la réalité de l'entreprise. Comment on fait ça? Eh bien, ça passe déjà par cette conscience que tout ce qu'on a vécu, toutes ces énergies ressenties sont à l'intérieur de nous. Qu'à cet instant, il faut pouvoir se refermer sur de la matérialité pour lui donner une version tangible dans ce monde. C'est un moment assez délicat parce que, bah bien sûr, on n'a pas envie de partir d'une sensation si belle. Mais c'est un moment important, surtout pour l'entreprise ou les personnes d'entreprise. Savoir que c'est là, tout ce qui a été vécu et ça ne partira pas. Et c'est en restant avec cette conscience-là que de nouvelles idées, de nouvelles opportunités peuvent se créer, générer vraiment un début de cercle vertueux à partir de là. Alors, l'univers spirituel dans la réalité des besoins d'entreprise, c'est quoi? Bah, l'objectif, c'est de créer, de communiquer, d'élargir son champ de pensée, d'inspirer et de générer. Si on reprend l'idée de toute cette séance qui se déroule, une fois que votre client a refermé la porte de cet univers, il reste un petit peu dans la magie. Vous savez, un petit peu comme c'est Peter Pan quand il revient du pays imaginaire. Il a un petit peu de temps comme ça. Il ne sait plus trop dans quelle réalité il est. Alors là, bien sûr, ça doit être un temps très réduit, mais c'est un temps que le coach spirituel doit maintenir pour lui permettre de développer sa créativité à partir de là. Tout doucement redescendre, pour puiser les meilleurs enseignements. Jusqu'à ce que, ça y est, on a la pépite. Et ça y est, on sait comment la communiquer et comment lui rendre grâce, disons, dans l'univers dans lequel vos clients gravitent. Et c'est là la base de toute réelle communication finalement. Les brainstorming sur des nouvelles idées, les nouvelles choses qu'on peut mettre en place, les nouvelles stratégies. La créativité sans limite. Et enfin, alors, effectivement, on va revenir dans un mode de fonctionnement qui va correspondre à l'entreprise. Tous les post-it et régler, organiser, remettre en ordre par rapport au fonctionnement déjà existant ou en redéfinition, pourquoi pas. Mais avec un intérêt qui est bien plus large et bien plus profond pour chaque personne impliquée. Et effectivement là, les liens sont très forts et l'objectif aussi d'argent est bien présent. L'argent, c'est une énergie. Alors, c'est une énergie qui fait partie aussi de ce sentiment de succès, mais qui cette fois a bien plus de profondeur. Et la sensation d'acquérir de nouvelles compétences est bien présente aussi. Le travail est fait
Merci, mon coach. Et c'est l'argent qui fructifie, évidemment. Et le cœur prend tout son sens. On est dans quelque chose bien au-delà du simple superficiel de l'envie d'un livrable qui va donner, porter ses fruits très rapidement, à quelque chose qui est presque indestructible. Parce que ça vient de l'amour et que l'amour, vous vous souvenez, contrebalance 500. Regardez en bas combien ça contrebalancerait là. Hein? Une personne dans l'amour, combien ça contrebalance. Imaginez ça au travail. Ça ne fait que grandir et grandir et grandir et se transmettre. Voilà le pouvoir du coaching spirituel en entreprise. Ben juste pour faire un petit récap, il y a un changement de paradigme qui est très fort. Parce que c'est la force de l'alignement du coach à son propre univers spirituel qui est un portail vers le changement de paradigme de notre client. C'est pour ça qu'on ne va pas dans un coaching spirituel voilà, de manière inintentionnelle. Il y a un travail très profond qui se fait sur soi et qui doit être maintenu à travers le temps. Parce qu'on est tous happés à redescendre dans l'échelle. Alors, c'est très important qu'il y ait ce travail d'entretien quand on fait un coaching spirituel, ou on offre un coaching spirituel. C'est aussi permettre à une entreprise d'avoir une ambition qui est bien plus grande et élaborée dans ses objectifs coaching. Ça permet aussi une connexion à son authenticité. Qu'est-ce que ça fait du bien? Et je vous assure, et vous le savez, je suis certaine, après cette période de Covid, qui n'est peut-être pas terminée, mais en tout cas, pour ce qu'on a vécu jusque-là, c'est quelque chose d'absolument recherché maintenant, au niveau de l'entreprise. Et puis, l'atteinte d'un nouveau niveau de maturité managériale. On ne manage pas de la même manière quand on est à bout de souffle sur son tapis de course et quand on a eu une connexion si profonde à soi. Il y a un point comme de non-retour. Et puis, c'est la création, hein, on l'a vu à la fin, de cercles vertueux, autant au niveau individuel que collectif, que dans l'ampleur d'une entreprise sociétale. Et de manière plus large, comme ça contrebalance, on participe activement à l'élévation des consciences. Et voilà, j'espère que ça vous a inspiré d'une manière ou d'une autre. On arrive au terme. Il y avait un petit merci qui a disparu. Mais voilà, une petite marguerite en toute simplicité pour vous remercier de votre écoute. Alors celui-là, il a disparu, mais il y en a beaucoup d'autres dans le chat qui sont apparus. Donc voilà, il y a énormément de merci de la part de beaucoup de monde, Moira. Merci pour ce webinaire d'une grande qualité. Merci pour cet excellent séminaire de Jacques de Québec. Nous dit-on, magnifique présentation de Halima. Il y a énormément de remerciements. Alors, il y a des réactions, il y a des questions, mais on les prendra tout à l'heure. Juste petite précision, tu avais dit Stephen Hawking, c'est David Hawking, je pense que tu as inversé juste les prénoms, mais voilà, c'est David. Voilà, mais ça arrive, hein. C'est la fatigue. Alors, pardon. Il n'y a pas de quoi. Alors, un grand merci, Moira, pour cette belle présentation sur le pouvoir du coaching spirituel en entreprise. Alors, j'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nathalie est ambassadrice ICF Synergie pour le Québec et membre de l'ICF Québec. Bonsoir Nathalie. Alors, c'était très calme ce soir. C'était, moi j'ai l'impression qu'on était dans une autre dimension. Là, c'était calme, c'était, voilà, c'était très agréable.
Comment ça s'est passé, Nathalie? Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, dans le chat? Ben, ça s'est bien passé et je pense que tous étaient attentifs à cette présentation parce que même les problèmes techniques se sont évanouis. Donc, personne n'a eu de problème technique, ce qui, je pense, pour moi, c'est une première. Donc, c'est alors, bizarre, hein? Ouais, c'était très bien, vraiment. Donc, non, ça a été très apprécié comme un webinaire. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Alors, il y a d'autres réactions encore. Il y a Christine qui nous dit merci beaucoup, Moira, pour cette profondeur. Christian nous dit merci pour ce magnifique webinaire qui me confirme cette voie à suivre et à assumer. Caroline, merci, merci, nous dit Julie. Grand merci, Moira, tellement doux et fait du bien, autant à nous qu'à nos clients qui vont en bénéficier. Il y a Zakia qui nous dit magnifique, etc. Ça continue, tu es merveilleuse, Moira, nous dit Sandrine. Voilà, ça continue. Merci, Nathalie. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour activer le pouvoir du coaching spirituel en entreprise et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique de coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et surtout, n'hésitez pas à partager vos infos sur le sujet. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Moira, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci beaucoup. C'était un vrai honneur. J'espère que vous avez autant aimé que moi. Je me suis réjouie de ce moment-là. Très rapidement, j'avais tiré une carte avant de commencer. Et c'était enthousiasme. Je célèbre tout dans ma vie et j'éprouve une joie sans limite. Donc, je pense qu'on y est. Merci Moira, merci Nathalie, merci à vous toutes et tous. Au revoir.